Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Merci surtout de votre fidélité. C'est avec plaisir qu'on accueille l'écrivain Gary Victor ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point. Avec notre invité aujourd'hui, on va commenter l'actualité, on va analyser le comportement des Haïtiens. On va surtout aussi évoquer le prix Carbet des lycéens 2015 qu'il vient de recevoir. Gary Victor, bonjour, bienvenue. Content d'avoir la possibilité de vous accueillir sur le plateau ce matin. Et bonjour Wendell, heureux également d'être à l'émission Le Point et de pouvoir parler aux auditeurs et aux téléspectateurs de Radio Télémétropole, aux internautes également. Prix Carbet des lycéens 2015, vous venez de recevoir ce prix extraordinaire. Je sais qu'il y a des Haïtiens qui ont reçu ce prix avant vous. Il y a Daniela Ferrière, Yannick Lahens, oui. Daniela Ferrière et Yannick Lahens, pour vous répéter. Que représente ce prix pour Gary Victor? Eh bien, c'est un prix assez spécial en ce sens que c'est un prix qui est décerné aux auteurs de la Caraïbe par les lycéens de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de Saint-Martin. Donc, un prix spécial dans ce sens où habituellement tous les prix, il y a un jury composé d'adultes, de critiques, d'autres écrivains, de lecteurs adultes qui décernent un prix. Alors là, c'est spécial. Ce sont des lycéens qui doivent lire des ouvrages, qui doivent discuter des ouvrages et finalement choisir un auteur. Donc, c'est un prix qui a été conçu pour faire connaître la littérature de la Caraïbe. Donc, il y a des auteurs cubains, des auteurs martiniquais, guadeloupéens, il y a plein d'auteurs de la Caraïbe qui ont déjà reçu ce prix. En particulier, il y a eu Daniela Ferrière pour la première édition et ensuite Yannick Lahens pour l'édition de l'année dernière. Donc, ça veut dire Haïti est au-devant. Oui, Haïti est, vous savez, en matière littéraire, Haïti est toujours... est toujours en première loge. Et ce qui fait que ce prix, pour moi, est important et tous les écrivains voudraient bien avoir ce prix, c'est parce que, vous savez, les jeunes ne sont pas dans le mondain, ils ne sont pas dans le politique, en ce sens qu'ils aiment ou bien ils n'aiment pas. Il n'y a pas de snobisme dans le choix des jeunes. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'auteurs qui aiment faire partie de la sélection des ouvrages qu'on offre à ces lycéens. Et moi, je suis parti en tournée, j'ai rencontré ces jeunes dans les lycées, et ça a été extraordinaire de pouvoir discuter avec eux, de parler avec eux. Ils ont posé plein de questions sur mon livre, sur Haïti, sur la littérature en général. Et comme vous savez que je suis constamment en contact avec les jeunes en Haïti, je suis souvent dans les écoles, les ateliers d'écriture, j'ai été très fier d'avoir été honoré par ces jeunes de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, de la même manière que, comme ici également, les jeunes m'apprécient beaucoup. Mais par mes écrits. On a fait choix d'un livre de Gary Victor. Oui, c'est toujours un livre. Il y a une sélection d'une dizaine d'auteurs. On fait choix d'un livre et mon livre qui avait été retenu, c'est L'escalier de mes désillusions. Un petit résumé de ce livre. Bon, le livre raconte l'histoire d'un homme qui, la nuit du tremblement de terre, la nuit du 12 janvier, croit qu'il a perdu ses deux enfants. Et bon, c'est un petit peu mon histoire dans ce livre. À partir de ce prix, ou encore, qu'est-ce que Gary Victor va faire ou bien que compte-t-il en faire? Bon, je continue à écrire, je continue à produire, je travaille à un prochain roman qui devrait sortir l'année prochaine. Des ateliers d'écriture, des rencontres avec des jeunes, voilà, c'est toujours quelque part la même routine. La même routine, le même refrain, la même rengaine. Oui. Alors, c'est une distinction extraordinaire. Est-ce que Gary Victor s'y attendait? Non, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais même pas que j'étais sélectionné pour participer à ce prix. C'est Yannick Lahens qui m'appelle un soir qui me dit « Tu as gagné le prix Carbet des lycéens ». J'ai été quand même assez étonné. J'ai dû partir
une semaine après pour pouvoir faire la tournée dans les lycées de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin. Et je dois revenir pour une tournée dans les lycées de Guyane française. Si je demande à Gary Victor de se présenter, on sait que vous êtes écrivain, auteur, romancier, dramaturge aussi. Oui, dramaturge. Je produis du matériel d'éducation civique également. Bon, un tas de choses qui sont quand même connexes à l'écriture. Arrêtons-nous un peu à l'éducation civique. On entrevoit dans les écrits de Gary Victor ces jours-ci des écrits publiés dans Le Nouvelliste, dans la colonne du Nouvelliste, une certaine révolte. Gary Victor est mécontent du comportement des Haïtiens, tant en République dominicaine qu'en Haïti, du comportement aussi des officiels. Pour qui ça Gary Victor fâché par rapport à Jean Haïtien ou à fonctionner jeudi à? Bon, mais tout jeune, j'ai hérité ça de mon père qui était sociologue. J'aime bien observer. J'aime bien regarder, j'aime bien essayer de comprendre, j'aime essayer de prendre du recul. Et vous savez, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est de prendre du recul par rapport à votre lieu. Mm-hmm. Parce que parfois on est tellement dedans, on ne voit plus rien. Et moi, j'ai hérité de mon père peut-être cette faculté de prendre du recul pour me poser des questions, pour essayer de comprendre. Et je crois que beaucoup d'Haïtiens sont mécontents. Et surtout ceux qui ont cette capacité de prendre du recul par rapport à leur lieu. Il y en a certainement qui n'arrivent pas à le faire parce que pour prendre du recul, il faut d'une part, il faut avoir une certaine culture, d'accord? Il faut avoir des références pour comparer. Il faut avoir voyagé pour pouvoir se comparer. Mm-hmm. Et moi, je dis souvent aux jeunes, et essayer, bon, comme ce n'est pas possible que tout le monde voyage, mais il y a quand même l'Internet, essayer de voir comment les jeunes vivent dans d'autres pays de la Caraïbe, par exemple. Il faut pouvoir se comparer aux autres. Mm-hmm. Et malheureusement, chez nous, on a une tendance à s'enfermer. Je crois qu'il y a des gens qui veulent que le peuple haïtien s'enferme, pour qu'on ne puisse pas se comparer aux autres. Est-ce que c'est par nationalisme à outrance ou bien par patriotisme? Non. Il y en a qui veulent que nous enfermons pour que nous ne puissions pas nous comparer aux autres. Parce mm-hmm. qu'à la minute qu'on se compare aux autres, on veut être quelque part comme les autres mm-hmm. et mieux que les autres. Mm-hmm. Maintenant, il y a d'autres qui ne peuvent pas se comparer parce qu'ils n'ont pas les moyens de se comparer aux autres. Mm-hmm. Vous voyez? Donc, combien d'Haïtiens peuvent se dire, mais comment vit-on vraiment en République dominicaine? Comment vit-on vraiment à Porto Rico, à la Jamaïque, les autres pays de la Caraïbe? À ce moment, ils pourraient se poser plein de questions, mais pourquoi nous sommes dans cet état? Pourquoi nous ne pouvons pas être différents? Ouais. Est-ce que, à votre avis, nous sommes effectivement un grand peuple ou parmi les grands peuples? Vous savez, pour moi, il n'y a pas de grand peuple, il n'y a pas de petit peuple. Tous les peuples sont des peuples. Simplement, c'est le peuple en question qui doit faire en sorte d'être grand. Donc, il faut travailler pour être grand. C'est pour ça, moi, je lis souvent des gens qui disent en Haïti, nous avons de belles plages. Non, mais écoute, dans toute la Caraïbe, il y a de belles plages. Mm-hmm. La plage, c'est nous qui devons faire quelque chose. Il y a ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Si vous avez une plage et vous jetez des détritus, vous avez une plage où n'importe qui peut venir et puis pisser. Mm-hmm. Sur la plage, moi je vois ça constamment. Pour faire ses besoins. Pour faire ses besoins, mm-hmm. que mon enfant mange un plat de griot et puis ça le voit, et bien jeter sous plage, hein, tu n'as plus de plage. Mais t'as semblé, en pile monde, quoi que j'en ai là, j'en ai fonctionné, éducation pour de bon là dans Gary Victor. Oui, je pense qu'on a, bon, c'est une vérité de la palisse de dire que on a un problème au niveau éducatif en Haïti, la crise du système éducatif en Haïti fait justement que les gens n'ont pas la capacité de même de raisonner, même de comprendre, même de se comparer. Parce que pour pouvoir se comparer aux autres, il faut avoir des références, il faut avoir une culture pour pouvoir se comparer aux autres. Sinon, on n'a pas qu'à comparer avec personne. On s'enferme dans des mythes. Nous sommes très mythomanes, nous, Haïtiens, quelque part. Oui. Non, mais lorsque Haïtiens, pour la plupart, complètent dans la question, nous sommes un gros peuple. Mais ça ne veut dire quoi? Écoutez, les seuls Haïtiens qui peuvent dire que nous sommes un grand peuple, c'est les fondateurs. Parce qu'une fois que ces gens se sont battus pour nous créer une patrie, nous n'avons jamais été à la hauteur après.
Nous n'avons jamais été à la hauteur parce qu'on a créé cette première République noire. On aurait dû être un exemple pour tous les autres pays noirs. On aurait dû être un exemple pour le monde. Mais finalement, nous n'avons pratiquement rien fait. Non, mais nous étions plutôt des adeptes des sentiers battus. Tu as deux étrangers. En fait, il y a un Canadien d'origine haïtienne que nous recevons dans la semaine, ça, là, dans la métropole, ensemble avec un Canadien d'origine algérienne, qui était chez Takoto, il là, et qui était estimé que Haïti a le même problème avec l'Algérie, par exemple. Nous, prisonniers de notre passé. Nous, prisonniers de notre passé, c'est tout un abdi. Quoi. Nous, c'est la première république indépendante du monde, première république noire. Ce sont des évidences qu'on répète constamment, mais il faut sortir des évidences. Parce que c'est vrai que nous sommes la première république noire, mais ensuite... Ça ne fait de lit. Qu'est-ce que nous avons fait de ça? Maintenant, l'autre deal, ou presque honte pour deal, il y a des fois, à moins que son mytho manouillé. On aurait dû être un exemple, on aurait dû être un pays fort. Maintenant, nous ne le sommes plus. Regardez-moi dans quelle situation que nous sommes par rapport à la République dominicaine. Comme j'aime à le dire, mon problème à moi dans cette histoire, ce seraient les Dominicains qui auraient dû venir en masse, venir travailler en Haïti. Parce que vu dès le départ, nous étions, j'ai reconnu encore, nous étions devant. Si nous étions continués devant, nous n'avons pas de fait pour nous étanouiller la cunière. Le problème, c'est que jusqu'à présent, même de la question dominicaine, vous remarquez toutes les prises de position, mais personne ne dit, mais pays pas noir, on fait l'autre bagaille avec, puis respecter nous, on gonfler pour être nous, on changer pays, on changer société haïtienne pour nous faire l'autre bagaille. Mais vous remarquez que personne ne pose la question de l'intérieur état. On accuse souvent l'autre, on accuse souvent l'étranger, mais se questionner nous-mêmes, tout le monde a peur de se questionner. Est-ce qu'on pensait, Gary Victor, jodi an la, Haïtien a sorti dans la rue pour protester contre maltraitance et Haïtien, ressortissant Haïtien objet en République Dominicaine. Et est-ce qu'on pas quoi que bon l'autre bagarre qui a supposé faire tout? Haïtien t'a de préférence de sorti dans la rue, manifester pour dire mais ça nous voulait comme peuple, mais qui pays que nous voulons. Ah, également et beaucoup plus. Hein, je pense que c'est tout à fait normal qu'on proteste contre des maltraitances que des Haïtiens en République Dominicaine. Mais il faut se rappeler quand même aussi qu'on a plus de 20 000 Haïtiens d'étudiants Haïtiens en République Dominicaine, on a plus de 1 million d'Haïtiens en République Dominicaine. En même temps, il faudrait aussi que j'aimerais voir cette même fougue, cette même force se manifester pour autre chose, pour changer les choses en Haïti, pour que justement on combatte l'anti-haïtianisme en Haïti pour commencer. Parce que l'anti-haïtianisme, c'est en Haïti que ça commence. Donc c'est nous-mêmes encore qui comptons tête, non? Oui. Ah oui, absolument, c'est tout le temps. Je pense que c'est une constante dans notre société. On a l'impression qu'on ne s'aime pas, qu'on n'aime pas l'haïtien. Et plus on mobe dans l'échelle sociale, vous allez voir, il y a ce refus de l'haïtien, ce refus de nous-mêmes. Et je crois que, mais que c'est grave. C'est grave. Jean Badé, c'est le problème dans la Ligue. Les gars, en effet, c'est vrai. Oui, c'est pas. Oui. Et on pourrait donner plein d'exemples. C'est-à-dire que nous serions responsables de nos malheurs. On est toujours responsable de ces malheurs, même si effectivement on peut accuser l'étranger. Mais écoutez, il va venir beaucoup contre les sous. Exactement. Donc il faut l'inviter. Il faut être faible tout d'abord. On a vu des peuples qui ont lutté et qui se sont fait respecter de l'étranger. Donc, accuser l'étranger, je pense que c'est parfois une manière de ne pas se voir soi-même. C'est une manière de se dédouaner. C'est un refus de se remettre en question. C'est un refus de voir le système dans lequel on est. Tu vois? Donc, il y a plein de problèmes qui se posent avec cette manière de voir. Il y a quelques jours, tu as une remarque comme tu as fait dans la radio. Je n'ai pas posé la question que si tu as tort ou si tu as raison. Et au sol avant ces chiffres-là, on aurait environ 20 000 étudiants haïtiens en République dominicaine. Combien on gagne en Haïti? Ah bon, je ne pense pas qu'on ait beaucoup du tout. Par exemple, Haïti, vu par exemple notre force culturelle, c'est pour nous gagner plein d'étudiants étrangers qui viennent en Haïti, viennent étudier musique, sculpture, un paquet de bagages. Donc, on a un problème chez nous. Ça veut dire que nous sommes un État failli à tous les niveaux. Mais maintenant, ce n'est pas parce que nous sommes un État failli qu'on ne peut pas rebondir. Il y a des pays d'Afrique comme l'Éthiopie, comme la Somalie, le Rwanda, qui après être un état de catastrophe,
en l'espace de 10-15 ans, ils ont rebâti quelque chose d'autre. On peut le faire également, mais à condition qu'on accepte, qu'on voit très bien dans quel état que nous sommes. Il faut que nous sortions de nos mythes. Nous sommes des mythomanes, des mégalomanes. On a un problème quelque part à ce niveau. Pour nous d'accord, mais problème nous, l'Internet, il faut que nous recommencions. Effectivement, nous avons quand même des acquis. On peut aller quelque part d'autre, mais il faut qu'on accepte la réalité. Et ensuite, pour qu'on puisse aller. Alors, ça me dit, mais qu'on est, je vais répéter que le peuple, c'est la canaille, mais il y a un peu de monde qui croit que dans l'État, nos élites seraient responsables, les différentes élites du pays. Est-ce que ce point de vue pas au même? Bon, écoutez, Ou bien est-ce qu'on plus croit que c'est chaque monde, pas la guerre sous l'élite, et que c'est chaque citoyen qui doit connaître que les gens ont un rôle pour jouer dans la reconstruction ou la refondation du pays? De toute manière, maintenant, si on va commencer par se chamailler, qui est responsable, qui n'est pas responsable, c'est certain qu'il y a des responsables. Il y a des secteurs qui sont plus responsables que d'autres, mais maintenant, au point où nous en sommes, où nous en sommes, il faut vraiment que nous tous nous mettons ensemble pour essayer d'aller quelque part. Mais le drame, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout qu'on sorte du lieu dans lequel nous sommes. Ces gens-là, les Haïtiens ou bien les étrangers? Des Haïtiens surtout, moi je ne parle pas des étrangers. Les étrangers peuvent vouloir ce qu'ils veulent, c'est affaire par eux. Mais nous sommes des Haïtiens, c'est nous qui devrions savoir ce que nous voulons, voulons aller. Est-ce que ça veut dire que ces gens nouillants qui font affaire par eux? Parce que quand même, on comprend mal que des Haïtiens partent arriver ouais, bien pour payer. Mais il y a des Haïtiens tout simplement peut-être qui font leur beurre de cette situation. Mais il y en a qui ne comprennent absolument rien, voyez, qui sont fermés dans leur mythe, tu vois. Il y a un tas de manières d'expliquer l'attitude de certains Haïtiens. Mais je crois que la majorité des jeunes surtout, ils comprennent très bien la nécessité d'aller autre part. Maintenant, tout le temps, m'a parlé avec un série de jeunes. D'ailleurs, il y a un premier problème qui se pose. Les jeunes se disent, mais qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a aucun programme, par exemple, de création d'emplois pour les jeunes. Dans tous les pays, l'État prépare le terrain pour que les jeunes trouvent un emploi, l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Il n'y a rien. Vous remarquez, par exemple, que c'est le seul pays, l'un des rares, pratiquement, c'est pas l'un des rares pays. Nous, on a fait politique dans tous les pays au monde. Le taux de chômage, c'est en général l'un des indices pour juger de la politique d'un gouvernement. En Haïti, pas grand monde qui parlait de chômage, qui taux de chômage, combien d'emplois créés, etc. Combien de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, combien de jeunes qu'on va intégrer dans le marché du travail. Il n'y a rien. Personne ne réfléchit vraiment sur cette problématique. Et vous remarquez que notre population est jeune, très jeune. Qu'est-ce qu'on va laisser pour ces jeunes? Non, le plus dit au bagage que vous attendez. Nous plus dit bah que non plus mais un peuple qui a fonctionné sous slogan Gary Victor. Oui exactement, il y a toujours ce problème de cette mentalité magico-religieuse. On lance plein de slogans mais dans la réalité on ne fait pas grand chose. Donc c'est ça par exemple qui parle une dans outils que électorat ici en train de servir exiger que candidat présente un programme au lieu que présenter slogan. Bon, parlons pour les élections à venir, évidemment. Bon, maintenant, il faut dire que une grande majorité de l'électorat haïtien comprend plus ou moins bien la donne. Ils savent très bien que les politiciens vont vouloir vendre un tas de... Ils vont raconter un tas de bobos, un tas de bossons, de faux programmes, tout et tout. Et je crois que c'est peut-être là qu'on va voir ce qui va se passer vraiment. Parce que... Le citoyen haïtien est perdu à quelques mois des élections sénateurs et pour le Parlement. Législatives. Et présidentielles. Les citoyens sont perdus parce qu'il n'y a pas d'idées, il n'y a pas de débat d'idées. On a un problème de créativité chez nous. Bon, comme les bonheurs toujours, André, les bonheurs toujours. Les bonheurs. Mais en tout cas, la question de fond, il faut que tu aies posé ça dans la campagne électorale. Et qui parle bien là. Gary Victor, quelle réflexion pour auditeurs, téléspectateurs, on nous prend une petite pause et puis on peut retourner après pour nous parler surtout de ça, que ça nous voulait comme peuple, que ça nous voulait comme citoyen, comme monde, comme haïtien. Mais on va retourner avec ça après pause.
Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Gary Victor. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Notre invité ce matin, Gary Victor. Et avec notre invité, on parle de tout, finalement. On parle du prix, on parle du comportement des Haïtiens, mais maintenant, qui ça nous voulait comme, qui ça nous voulait comme peuple? Quel genre de peuple nous devons, nous t'avons, Gary Victor? Vous savez, tous les peuples veulent la même chose. Hein? Premièrement, ils veulent du travail, ils veulent un environnement propre, stable, sain, sécuritaire. Du travail avant tout, mm-hmm. un environnement propre, sain, sécuritaire, des logements sains, décents, voyez, et un système, des écoles, de bonnes écoles pour les enfants, un bon système de santé. En fait, un peuple ne demande pas grand-chose quelque part. On veut vivre bien, on veut vivre mieux, tout simplement. On veut être respecté. On veut être respecté. Mm-hmm. Lorsque, dans un moment de tension entre, en fait, dans les rapports évidemment entre Haïti et la République dominicaine. Et puis, vous avez vu que vous postez, enfin, il y a des Dominicains qui étaient postés, qui étaient avec des pancartes dans les mains, ils ont écrit « Nous, pas racistes, mais nous, pas voulons haïtiens dans le pays. » Qu'est-ce que ça te dit? Bon, bien sûr, ils protestaient par le fait qu'on les accusait de racisme. Bon, c'est un fait qu'il y a beaucoup de Dominicains qui sont racistes, mais ils ne sont pas tous des racistes. Mais est-ce qu'on va dire haïtien raciste? Ah ben écoutez, là, et si on commence à discuter, il y a énormément d'Haïtiens qui sont également racistes. Je pense que les deux élites dominicaines et haïtiennes sont quelque part racistes. Donc, mais bon, ce n'est pas le propos de notre émission. Mais tant qu'ils disent qu'ils ne veulent pas des Haïtiens chez eux, je pense que c'est le même problème qui se pose quand on a deux pays frontaliers, l'un économiquement développé, l'autre est très, très en retard. Mm. Et les nationaux pensent que les étrangers viennent prendre leur travail. On a vu ça dans plusieurs pays à une époque, les Français qui ne voulaient pas que les Italiens, les Espagnols viennent chez eux pour ne pas prendre leurs emplois, nous ne voulons pas les Ricains, nous ne voulons pas les Espagnols chez nous, etc. Je pense que c'est aussi le même problème. Mm-hmm. Il y a des Dominicains, surtout de l'extrême droite, qui accusent les Haïtiens de venir prendre leurs emplois, tout et tout. Écoutez, bon, c'est dans tous les pays, souvent, on ne veut pas avoir l'étranger qui vient prendre nos emplois, tout et tout. Donc, on peut comprendre la réaction de ces Dominicains. Est-ce que nous devons dire, Gary Victor, que le problème ça, nous gagne pour quelques jours encore? Nous gagne dans quelques jours, tout autant que la CAI ne nous pas changer bagage. Tout autant que nous pas créer emploi à la CAI, nous. À supposer qu'il y a un gouvernement à venir et qu'il dit, bon, qu'il ne pas changer d'ordre. Créer emploi. Oui, mais créer emploi, c'est ce qu'a fait du jour au lendemain. De toute manière, c'est pour nous commencer. Il faut commencer par avoir des idées, il faut être créatif, on peut créer des emplois. Donc, c'est une question de volonté, premièrement. Il faut un petit peu changer la conception du chef en Haïti. Moi, je crois que c'est le plus gros problème en Haïti. Depuis mon arrivée chef en Haïti, nous sommes allés dans la tête, c'est privilège. Et le chef en Haïti n'est pas conçu comme un service qu'on doit rendre à la communauté. Et c'est le plus gros problème, nous. Nous avons besoin d'un député, besoin d'un sénateur, fondamentalement, sur le bail qui est dans la tête, salaire, privilège, femme, auto, tout le bagaille. Son ascension que le besoin. Son ascension sociale rapide que le besoin. Et puis, une fois arrivé dans le poste, on oublie tout le bagaille. Ouah, pas cousin, président pas Bopel. Président pas Bopel. C'est là le problème. Mais maintenant, seul bail que l'ICA fait, l'a fait de pas qu'on est simplement pour montrer à un électorat souvent un peu ignorant, mais distribuer cop, distribuer sac manger, deux, trois petits bagailles, farfelus, pour le faire croire que la font bagaille, mais fondamentalement, il ne fait rien pour la communauté. Mm-hmm. C'est-à-dire que le politicien veut être chef sans vouloir être serviteur. Mais le vrai chef est au service de sa communauté. Pour quelle raison veut-on devenir chef? Le vrai chef, il veut servir. Il a une certaine idée pour sa communauté. Il veut emmener sa communauté quelque part. Le chef, pas synonyme de leader.
Bon, normalement, je pense que pour être chef, il faut être un leader, il faut convaincre. Mm-hmm. Il faut convaincre, surtout dans les systèmes démocratiques et même dans les systèmes anciens. Pour être un chef, il faut être un leader, il faut être un petit peu charismatique quelque part. Dewar dénonçait le comportement des chefs, justement, des officiels, justement. Oui, c'est au niveau de la circulation qu'on voit déjà comment se comportent ce qu'on appelle en Haïti les chefs, les dirigeants. Premièrement, Néglan, il n'a pas arrêté nos embouteillages. Il est pressé. Rétro embouteillage pour lui, son crime de lèse-majesté, parce qu'il n'a pas encore tout le monde. Mm-hmm. Et pourtant, ce qui est extraordinaire, lorsqu'on n'a pas de l'embouteillage, il est pressé, met sirène. Quelle que soit la réunion qu'a fait en Haïti, il commence avec 2-3 heures de temps au retard. Première bagaille. Moi, je pense que son problème, pour qu'il soit pressé comme ça, tout, pas mon réunion en Haïti, même au niveau ministériel gouvernemental qui peut commencer à l'heure. Bon, pour qu'il soit pressé comme ça. Donc, en fait, la plupart du temps... Non, mais alors, on va te dire tout, excusez-moi, oui. Madame, on peut dire, pensez, ou comprendre que le TK pressé tout, mais c'est le fait que yo a monté sur le monde avec machine paille. Non seulement il a monté sur le monde, même quoi, son question de simple éducation, ou te mettre nos auto officiel ou pas... D'ailleurs, d'après le code de la route, qui est-ce qui a le droit d'utiliser sirène? Exemple, c'est pompiers. Et la Croix-Rouge, police en service. Mm-hmm. Yo to gon plaque officielle par gen droit pour la mettre sirène qui gen service de l'état qui mette sirène lui dans la rue. Non mais gen privé qui mette gen privé. Gen privé oui moi gon ban auto vite fumé qui gen plaque privée qui mette sirène qui pas veut dans embouteillage. Et ce qui est plus grave c'est que la police ne dit rien parce que ti police on connaît que si la retourne comme ça t'as l'autre sérile etc. Donc maintenant, on pourrait rentrer dans un tas de considérations, tu vois, donc un état totalement failli, ou par contre qui est-ce qui a une autorité dans le monde, n'a pas aucun poste officiel dans l'état, il y a une police DL, il y a une autorité fumée, auto-officielle, etc. Est-ce que c'est pas ça qu'on crée confusion tout parfois? Confusion dans le sens que mon algue doit mettre en plaque officielle, ou bien mettre en plaque service de l'état, sans que le pas y ait un responsable véritablement, et là, le pas l'impliquer dans des actes exactement, de banditisme. Exactement, des actes de banditisme, donc c'est normal. Donc, quand toutes les règles sont violées, n'importe qui va y qu'à faire. Mais comment nous capables de résoudre le problème ça dans un pays sérieux, Gary Victor? Eh bien, je crois que, premièrement, c'est la population qui peut impliquer dans le choix de d'autres dirigeants. Et là, je crois que là, ça va être tout un combat. Parce que je crois que premier, ça, on sait de nègres pour le faire dans la prochaine élection, c'est faire en sorte que pas grand pile monde qui voter, créer des conditions pour pas grand pile monde qui voter, et puis qu'on y a pour le bourrer une, et puis ça, puis on mette un monde qui pour reconduire ce système-là. Parce qu'on va remarquer que chaque élection en Haïti, c'est reconduire, après conduire ce système-là, rien n'a pas changé. Même qu'on y a que la population. Oui, c'est mais pour... Gary Victor, en même temps, tout, il y a des Haïtiens qui parlent de changement tout. Gain de changement de pour ou lancer de vous prendre route là moi d'attendre on va gain de ta barricade cap t'en devant n'est-ce pas bon oui et non mais souvent nèg qui fait barricade dans ces pays au pays lui en pile fois oui en même bon qui paye l'entour c'est pas étranger à son haïtien non soit haïtien paye non ben kounia il faut que d'autres moun impliquent tête yo il faut que gain l'autre moun de l'autre organisation dans société qui pour impliquer tête lui de toute manière dans quel que soit le pays le changement ne se fait pas facilement comme ça. Il y a un conseiller de monde qui a toujours réfractaire au changement. Un conseiller de monde qui n'a pas accepté, par exemple, puis au chef là, puis au pareil autre officiel. Mais pour qui raison, par exemple, pour un sénateur, pour chaque sénateur, chaque député, un autre officiel, pour qui raison? Il n'y a aucune raison. Non, pas ça, non, bon pays, pas ça, non. Mm-hmm. Il y a un bon privilège, on sait de négab jouer, les non poste. De direction. Même pas pour qui raison. Non, il y a beaucoup de privilèges dans un pays aussi pauvre que Haïti. Non, mais si pays est pauvre, mais dirigeant n'est pas pauvre, sinon on va chef. Bon, je crois que c'est normal, son nègre et dirigeant. Mais même là encore, pour avoir des privilèges dans la société, il faut que vous fassiez des bagailles. D'accord, pour avoir un nègre qui n'a pas son privilège, à condition que vous fassiez des bagailles. Mais conseil de non, monde, mais on a le titre, ça suffit. Oui, mais en Haïti, on ne peut pas continuer sur cette pente. Nous avons, dans ce pays, nous besoin de monde qui produit. Parce que à quel secteur, à quel secteur, où vous réfléchissez ça?
Mais je parle avant tout à la population. De toute manière, c'est lui pour changer les bagailles. Mm-hmm. C'est la population pour changer les bagailles. C'est les citoyens qui doivent changer les choses. Vous pensez que pour avoir droit à une série de privilèges, il faut que vous soyez productif, dans quel que soit domaine mais que écoutez, vous pouvez évoluer. Quand tu prends une entreprise quelconque, quelle que soit l'entreprise, est-ce que vous prenez un gros salaire, vous pas bon série de privilèges, alors qu'on ne produit rien? Et moi, je pense que la gestion de l'État, c'est comme la gestion d'une entreprise. Pourquoi ça, pour me boire un gros salaire, pour me boire un de privilèges, alors que tu es un parasite, ou pas produit rien. Mais comment faire la décantation maintenant parce que... Mais la décantation, c'est, bien, écoutez, on produit ou on ne produit pas, on est actif ou bien on est inactif. Je pense que chaque personne a une feuille de route, tu as des activités à remplir, un bon planning et tout. Je pense que... Mais là, on parle de Haïti aujourd'hui, hein? Bon, Haïti dans 50 ans ou bien dans 15 ans, peut-être, si vous ne pas exagérer. Parce que quand même, Alassane Badjoulan, aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a des progrès qui sont faits en Haïti? Non pas qu'on est... Est-ce que nous sommes sur route progrès? Non pas qu'on est... Mais pendant longtemps, nous t'ai dit dans le commencement de l'émission, Gary Victor, il suffit d'avoir un bon slogan et puis on sera élu. Député, magistrat et sénateur, et pourquoi pas président de la République. Bon, il suffit d'avoir un slogan qui marche, un slogan qu'on connaît que c'est libre, moun envie tendez, et puis le reste, on s'en fout, et pour le chef après. Bon, jusqu'à date, donc, gros moment, c'est pour comédien arrêté. Maintenant, c'est la population qui doit savoir. Nous croyons que tout le monde a un problème dans le pays, un problème économique, problème de sécurité. Et ou pas une bonne école, ou pas un système de santé valable, tout et tout. Donc, nous croyons que chaque citoyen haïtien a un problème, l'Algérie, il y a pile problème. Donc. Nous ne pouvons pas d'accord, même les poser une question quand même. Un étranger qui dit que, qui t'a cité par un autre étranger, il dit que des pays tant qu'au Haïti, il y a un étranger pour que tu sois président. Un étranger type japonais, samouraï. Quelle réaction qu'il y a par rapport non, à ça? Non, je ne suis pas d'accord avec une déclaration comme ça. Moi-même, je crois qu'il y a un pile haïtien qui a une capacité pour diriger. Mais maintenant, le problème, c'est que pour diriger, il faut que y ait une masse significative de citoyens qui sont d'accord pour qu'il y ait l'autre monde, l'autre type de monde qui peut arriver sous pouvoir. Et maintenant, comme nous sommes maintenant en démocratie, d'accord, maintenant il faut que on un nombre suffisant de monde qui a le voter et qui décide de changer les bagages. Et pour ça pas dit plutôt faut que tu aies un ensemble de monde en Haïti qui veulent changement. Mais changement c'est pas dans le sens comme si retirer corps, mais pas non pas du tout. On n'est pas dans le changement de système, changement de comportement, changement de mentalité, changement de perception et on l'autre mentalité de chef l'entour Gary Victor. Mais bon, il faut dire que quand même, on est vraiment dans un bail très compliqué parce que le changement de comportement aussi, ça ne passe pas uniquement par la politique. Bon, de toute manière, on revient toujours à la politique parce que même pour changer les comportements, il faut commencer très jeune. Il faut commencer à l'école. Il faut commencer à la maternelle, au primaire. On va gagner besoin de faire bac. Nous faire bac quelque part. Mais maintenant, même pour changer à ce niveau, il faut qu'il y ait des dirigeants qui prennent la décision. Donc, de toute manière, on tourne en rond. Il faut une autre gouvernance. Pour avoir une autre gouvernance, il faut qu'il y ait des citoyens qui sont conscients et qui élisent d'autres dirigeants pour avoir une autre gouvernance. Donc, on est toujours dans une espèce de cercle vicieux. Donc, éducation, rôle dans le changement, ça que nous voulons. Les fondamentales. Les fondamentales, parce que nous sommes là, alors moi-même, par exemple, où l'homme t'a regardé un match football, et puis moi, il y a un arbitre qui siffle en faute, et puis ça, moi, un entraîneur qui a encouragé Timounio à contester les décisions arbitres. Donc, où est le problème éducatif là? Un entraîneur ou un entraîneur par cas dit Timounio pour contester les décisions arbitres. Et lorsque de l'école a joué? Et puis, habite là pour une décision. Et on élève l'école, on a les revolvers, les montées. Eh bien, justement, donc on voit jusqu'où la dégradation arrive. Donc, on a énormément de, de,
de travail à faire, ça demande beaucoup de volonté, beaucoup de créativité, beaucoup d'implication citoyenne. Moi, on va dire beaucoup de fermeté pour ça. Et beaucoup de fermeté, forcément. Sans fermeté, on n'ira nulle part. Dans Haïti, aujourd'hui, hein, son Haïti, encore une fois, si Brésil a joué avec Haïtien, ou a plus je n'en pile mon abat bravo pour les Brésil fait goal, on peut saluer le Brésil. Bon, il y a toujours cette fascination pour l'équipe brésilienne. Très tôt, j'ai vu quand Pelé était venu. Est-ce que toujours comme ça? Bon, jusqu'à présent, je vois quand même qu'il y a une belle ferveur pour Haïti. Les équipes haïtiennes ont joué. Même si on a joué en face Brésil. Bon, Haïti a battu bravo pour Brésil, même qu'on a bien ferveur là, pour Haïti quand même. Donc, il y a quelque chose qui est là toujours. Maintenant, c'est comment mettre ça en mouvement, tu vois. Carré Victor, qui, en fait, d'après vous-même, citez-nous quelques sujets où qui t'a doué faire partie de feuille de route candidat qui va bientôt. Vous parlez d'éducation déjà, ok. Vous parlez d'éducation, vous parlez d'emploi, ok. Bon, c'est des nécessités que Barès a oublié. Moi, l'emploi, c'est le premier sujet, c'est l'emploi. Son candidat pas qu'à venir pour l'immigration, combien d'emplois que lui proposer, que le cas créer. Parce que l'emploi, avant tout, c'est de créer un environnement sécuritaire. Il faut faire les entreprises, d'autres entreprises venir. Il faut favoriser les jeunes entreprises. Il faut des crédits pour des gens qui veulent créer des entreprises. Il faut un système judiciaire fiable qui pour sécuriser l'entreprise. Tu vois, donc autour de l'emploi, il y a une bonne bagaille pour créer. Moi, je crois que le premier bagaille, c'est l'emploi. Il faut également des gens qualifiés pour l'emploi. Parce qu'on a parlé d'éducation. Oui. Parce que quand il y a quelqu'un qui croit que tout problème, nous, il découle de éducation, non, de type d'éducation que nous gagnons. Bon. Et si on travaille sur l'emploi, il faut forcément travailler sur l'éducation. Il faut créer des écoles professionnelles, tout et tout. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que le nœud du problème, c'est la création d'emplois. Et autour de la création d'emplois, il y a tout un environnement à créer. Son candidat n'a pas parlé de création d'emplois, eh bien, par contre, ça vient de faire là. En tant qu'écrivain, citoyen, fin observateur, qui décision concrète qui t'a de prendre aujourd'hui en Gary Victor pour renforcer l'État que tout le monde a dit qui est faible ou bien qui est en faillite? Là, une décision pour... De toute manière, premier bail qui pour fait, c'est pour gagner l'autre dirigeant. Le premier bail là. Mm-hmm. Et sinon, on ne va nulle part. Pour moi, c'est premier bail là. C'est pour ça qu'on peut discuter. On peut discuter des jours et des jours, mais il faudra pas d'autres dirigeants. En parlant de dirigeants. Les élections sérieuses pour avoir d'autres dirigeants. En parlant de dirigeants, est-ce qu'on connaît que nous participons une bonne cinquantaine de candidats à la présidence, Anessa? Oui, c'est certain, comme d'habitude, et encore plus peut-être. On va intéresser au même? Non, pour l'instant, non. Parce que de toute manière, on ne peut pas dire qu'on est citoyen, on peut être n'importe quoi dans ce pays, député, maire, sénateur, n'importe quoi, mais donc je dis pour l'instant, non. Et lorsqu'on apprend que il y a 192 partis et regroupements politiques qui sont inscrits, en fait, qui sont enregistrés, qui sont en manifestation claire de leur intérêt pour venir diriger un pays. Ça dit où? Bon, en même temps, c'est aberrant parce que quand on parle de partis politiques, il faut se demander combien de gens sont inscrits dans ces partis politiques. Est-ce que le parti politique ne se résume pas à une seule personne comme d'habitude? On a souvent vu ce cas en Haïti. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par parti politique? Donc, on me posait tellement plus de questions sur ça, les partis politiques en Haïti. Les partis politiques sont bâtis autour d'une idée, tu vois, et quelle idée? Des idées novatrices, où sont les idées novatrices? Bah, qu'on est, tu vois, donc il y a une bonne question qu'on a posée autour de l'affaire parti politique, ça, le nombre, je pourrais dire, aberrant de partis politiques inscrits. Et combien États-Unis gagnent encore, pas songer, non? Je n'ai pas en tête. On a parlé de partis politiques, environ deux. Non, il y a quand même. Il y a plein de partis politiques aux États-Unis, mais il y a deux partis politiques reconnus et qui détiennent le monopole de la vie politique aux États-Unis. Mais il y a plein d'autres partis politiques. On ne peut pas croire que nous sommes sur la tour, par exemple, pour arriver à un bail comme ça, pour nous avoir deux ou quatre au grand maximum.
Et puis, l'eau capable d'être là, exister comme des particules, comme des parties pour faire bouger les choses. Je ne crois pas que nous sommes, sur le chemin d'avoir encore deux ou trois. Jusqu'à présent, je ne peux pas écouter l'absentie. Vous pouvez écouter ça? Non. Même par miracle, Non, jusqu'à présent, je ne peux pas écouter. Et même par l'éducation? Bon, ça prendra du temps. Il faudra une autre manière de comprendre la politique, premièrement. Une autre manière de comprendre ce qu'on appelle être un dirigeant, être un chef. Et là, je pense que c'est un grave problème dans nos têtes, parce que les gens en Haïti, les gens dans les chefs, ils ne sont pas servissants du tout, ils sont privilégiés. Et moi, c'est... Je suis content des gens qui ont dit comme ça, que bientôt, mon chef, là, c'est sirène, ma baie, c'est poussière, ma baie. Je ne suis pas content de ça au même temps. Ah, tout le temps, tout le temps. Et ça résume un petit peu la conception des gens de ce qu'on appelle le chef en Haïti. Mais où quoi est la possibilité pour nous gagner notre chef? Il faut y croire, parce que on a connu quand même des gens qui, à des postes de direction, se sont comportés autrement. Ce n'est pas tout le monde qui vivait dans le pouvoir de l'État qui enrichit tête. Il y a un tas de gens quand même qui se sont comportés autrement, mais ils ont toujours été noyés quelque part dans une pratique. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui avec une autre conception. Je crois qu'il y a plein de gens en Haïti qui ont une autre conception des choses. Et je crois que si Haïti kembe toujours, c'est à cause de Mounsayo, qui dans leur petit secteur d'activité. Et parce que même la notion du chef, même en famille, il existait. Il y a un chef de famille, c'est bon chef, il y a tout bon. Dictateur depuis la caillou. Bon dictateur depuis la caillou. Alors là, on parle de mari ou bien madame ou bien épouse? Les deux à la fois, parce que... Madame, bon, ah, oui, absolument, les deux à la fois. Cette notion du chef, c'est pas quoi que parce que les filles et les garçons changent toutes ces mêmes bails là, oui. Mm-hmm. On partage la même conception du chef, oui. Mm-hmm. Même les madames n'ont pas chef, madame l'a exigé pour marier un chef tout bon. Oh, ok. Donc Marie a voulu que Marie a montré que le chef. Absolument, non, mais que le comporter comme chef, même elle n'a pas pouvoir. Ah, et ça okay. Me l'est doux, oui. Oh, ok. Tu vois, donc c'est un problème très très complexe. Hein, et que nous pouvons parler pour nous résoudre. Et Mbaka dit que nous ne pouvons pas parler pour résoudre. De toute manière, on est obligé de résoudre parce que le temps nous fait la guerre, Wendel. Oui. Nous n'avons pas plus le temps devant nous. Si nous continuons à fonctionner comme ça pendant 15-20 ans, la population a augmenté, l'environnement a dégradé, ou par exemple, pour ne pas changer aucune politique sérieuse pour arrêter le problème de dégradation, le problème environnement. Jusqu'à présent, on a pris grandance. Il y a des gens qui sont dans le bateau depuis la Tibonite, viennent dans la grande danse, viennent couper pied bois. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Jusqu'à présent, les gens sont sur le camion avec sac charbon. Jusqu'à présent, rien, aucune politique n'a été définie pour faire couper pied bois suspendre. Alors, mon dernier point que je voulais voir avec vous, qui a un rapport avec un certain nombre de points déjà que m'évoquer dans l'émission ensemble avec vous, c'est l'intervention des populations, des gens, si vous voulez, sur la chaussée pour exprimer des revendications. Coupé route, mon ap mouri, fille a pas couché sur place, parfois ça provoque accident, et ça devenu une pratique, intervenir sur la chaussée, bloquer route pour exprimer des revendications. Bon, et Wendel, là, c'est un cercle vicieux, parce qu'en même temps, et bien sûr, il faut condamner tous ces comportements. Mais en même temps, tout, c'est pour comprendre tout, conseil de monde qui tellement délaissé pour compte, ils ont tellement oublié. Souvent, ils n'ont pas l'autre moyen pour attirer l'attention sur la situation que le fond paraît absurde. Parce que le problème, c'est qu'il y a trop d'oubliés dans ce pays. Oui, mais et les conséquences, Gaëtan? Il y a des conséquences, je suis totalement d'accord, mais en même temps, tout. Nous ne pouvons pas oublier ces deux mondes comme ça. Mais est-ce que c'est pas, alors excusez-moi, est-ce que c'est pas manquement clair ou bien évident de la part des autorités locales? Absolument. Donc c'est d'autorités locales qui n'ont pas fait travail du tout. Mais c'est un service en même temps, c'est que souvent c'est même Mounsayo qui a élu une série de monde qui n'ont pas foutu fait travail là, comme autorité locale. Donc, on est toujours dans un cercle vicieux dans ce pays. Gary Victor, depuis quelque temps, ou encore au cours de ces 20 dernières années, parfois, nous constatons que Haïtiens utilisent matière fécale pour badigeonner des espaces. Vous en pensez?
c'est quelque chose de totalement de fou, même tout le fou. Et il y a des gens qui font là, il y a des gens qui m'ont demandé pour aller faire là tout. Je crois que les gens qui m'ont demandé pour aller faire là, ils disent plus mal parce que les gens qui font tout. Moi, je pense déjà même de penser à faire une chose pareille, sont malades mentales. Normalement, premièrement, les gens qui font là, c'est pour mettre dans l'asile psychiatrique. Les gens qui suggèrent à faire là, c'est pour mettre dans l'asile psychiatrique. Et on peut pas supposer de gens qui pensaient une activité pareille, entre guillemets, une politique pareille. C'est un pays qui a des fous, Wendel. Son pays qui a des fous. Moi, je pense que non seulement il y a des gens qui font là, et des gens qui planifient l'activité. Tous les deux gens ont été faits pour fermer l'asile. Les religieux, aujourd'hui, victimes de violences. Bon, là, on ne comprend pas. Est-ce que ce sont de simples actes de banditisme? Même pas quoi, parce que j'aime bien la fête là. Qui secteur qui derrière c'est le rôle de la police à déterminer. Moi même, je pense que vraiment, nous sommes sur un très mauvais sentier. Et encore une fois, je pense que c'est à nous tous à nous mettre ensemble pour voir de quel moyen mettre fin à ces choses. Mais moi, nous avons une explication, Bayo, que c'est comme si on était dans une république de fous. Oui, je pense que la folie coule les rues en Haïti. Parce que j'entends des interventions, des réflexions que les gens font. Je pense que la folie coule les rues et c'est peut-être le plus grand danger qui nous guette. Et cette folie qui coule, oui. Gary Victor, merci infiniment. C'est merci ton plaisir. C'est ton plaisir de vous m'étendre au matin. Hein? Et je pense que l'auditeur et téléspectateur prend plaisir de Gary Victor tout. Matin, cette nouvelle dimension, puisque au plus écrit qu'au palais. Merci. Merci encore une fois, Gary. C'est ton plaisir. Wendell. Et à bientôt. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Gary Victor, qui vient de recevoir le prix Carbet des lycéens 2015, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous pendant ces quelques minutes. Merci encore une fois. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machet Titanium.